coupé. Bravo, c'était excellent, Tom. Vraiment, t'y étais. Vraiment, bravo. Non, vraiment, c'était très, très bien. Bravo. C'était excellent. Bravo, Tom. Je peux la revoir? Mais bien sûr, bien sûr. Ok, on la garde. Ça marche. Faites entrer la première candidate. Bien. Nom, prénom, âge, profession. Pelot Églantine, 26 ans, hôtesse d'accueil. Ok, donnez-moi un de vos défauts. J'ai du mal à aller au bout des choses et... Ok. Donnez-moi une de vos qualités. J'ai beaucoup d'humour. Ah oui? Et vous connaissez des blagues? Oui, plusieurs même. Allez-y. Ok, alors c'est deux grenouilles qui se rencontrent. Là, elles vont pour traverser une route et... Je suis désolé, vous n'incarnez pas le personnage, le texte est faible et j'ai même pas compris la chute. Mais j'ai même pas terminé! Ça va pas du tout. J'ai même pas terminé ma blague! Mais oui, c'est bien ce que je dis, vous n'allez pas jusqu'au bout. Candidate suivante! Nom, prénom, âge, profession. Bonjour, Duval Lorraine, 29 ans, assistante de direction. Très bien, donnez-moi un défaut. Je suis un petit peu distraite. D'accord, donnez-moi un deuxième défaut. Je suis émotive aussi. Deux défauts, ça fait beaucoup. Hein. Candidate suivante. Bonjour. Bonjour, parlez-moi un petit peu de vous. Je m'appelle Sophie, j'habite à... Candidate suivante. Nom, prénom, âge, profession. Jacqueline Martin, 31 ans, comédienne. Très bien, donnez-moi un défaut. Ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Oh, c'est joli ça. Donnez-moi une qualité. J'ai vu tous vos films. C'est vrai? Ouais. Dans La couleur de l'argent, qu'est-ce que je fais à la 22e minute? Réponse A. Réponse B. Ou réponse C. Vous avez les cheveux plaqués en arrière, vous donnez la réplique à Paul Newman, vous avez la tête légèrement de biais et vous avez la main droite dans la poche. Waouh. Asseyez-vous. Caressez-moi la cuisse. Un petit peu plus haut. Merci. Vous êtes doué. Bien, carte d'identité, RIB, attestation de domicile. Merci. Ok, très bien. Je vous explique rapidement le programme de mes journées. Le matin, je me lève à 7h30, je suis plutôt café serré. Ensuite, je pars en tournage, donc vous avez quartier libre, mais quand je rentre le soir, je tiens à ce que tout soit en ordre et que la bouffe soit prête. Et en rentrant, le soir, avant de dormir, j'aime bien qu'on me lise le verset 17 du chapitre 5 de l'Apocalypse selon Saint Jean. Vous avez des questions? Oui, moi, personnellement, oui, je suis plutôt... Oui, bah, écoute, je m'en fous, alors... Je vais maintenant vous demander de signer un petit document, parce qu'a priori, je suis en train de tomber amoureux. Donc... Moi, ça me va. Ça me va, donc je vous propose de devenir la femme de ma vie pour 2 mois à l'essai. Et si à l'issue de cette période tout se passe bien, vous pourrez devenir enfin Madame Cruz. Une petite signature. Très bien, merci, on se dépêche. Levez-vous. On va maintenant mettre en scène notre coup de foudre. Mettez-vous sur la marque. Voilà, vous êtes comédienne, hein, vous connaissez un petit peu le principe. Dès que vous entendez action, vous courez vers moi au ralenti. D'accord. Silence! Moteur demandé, ça tourne, action! Coupé, excellent Tom, vraiment bravo, c'était super, c'était bravo, vraiment. C'était bien? C'était vraiment bien, bravo, c'était... Je peux la revoir? Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, elle est bien, on la garde. Ah, ok. Nickel. On passe à la scène suivante. Ok, silence! Moteur. Ça tourne. Action. Tom Cruise, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est de prendre pour épouse à l'essai Jacqueline Martin. Oui, je l'accepte. Jacqueline Martin, votre mission, si toutefois vous l'acceptez... Oui, elle accepte. Je peux dire quelque chose? Coupez.
Excellent, Tom, vraiment, c'était parfait. C'était vraiment bien, très bien, bien sûr. Excusez-moi, il a un problème, il est atteint. Qu'est-ce que vous dites là? Non, je demandais juste si vous aviez un problème, si vous étiez atteint, parce que vous êtes en représentation tout le temps, c'est un petit peu fatigant. Mais tous les bons comédiens sont comme ça. Vous devriez le savoir si vous êtes comédienne. Oui, enfin là, vous battez tous les records, je sais pas, et pourquoi vous devez tout contrôler comme ça? C'est quoi votre manque dans la vie, je sais pas? C'est le manque du comédien. Ah ouais, mais là, vous atteignez vraiment le haut niveau, quoi. C'est du stade de la pathologie, je sais pas. Ça vous arrive encore d'être vous-même? C'est vrai que je me pose souvent la question. Je sais pas pourquoi je fais tout ça, vous savez. J'ai parfois l'impression d'être une image. Une marque. Important. Pardon, je voulais pas vous... Excusez-moi. Putain, on était bon, là. Vous avez senti la sincérité? Ça a été filmé, j'espère. C'était excellent. C'était excellent. C'était bon. C'est une belle scène de vérité. On était dedans, on était dedans. C'était bon. C'était pas con pour son deuxième passage. On demande qu'à en rire, accompagné de Cyril Etès, Julie Villers, Tania Dutheil. Entre autres, merci beaucoup pour ce sketch, un casting pour vivre avec Tom Cruise. J'ai vu Michel Bernier beaucoup rigoler pendant votre prestation. Michel, quelle est votre note? Sous la mienne. 19, voyez. Éric Métayer. 17, c'est bien. Catherine Barma. 17 également. Et enfin Jean. 17, c'est des bonnes notes.